Salut tout le monde, c'est Imregis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo totalement différente, parce que ce soir, enfin aujourd'hui, ça va être une petite vidéo tuto pour faire un ascenseur, tout simplement. Donc on va commencer par se taper la commande slash give, notre pseudo pour ceux qui ne savent pas, Minecraft, command block, pour se giver. Tout simplement un command block, voilà, que voici. Et ensuite, hop, on met la commande. Je vous la mettrai dans la description. Surtout, vérifiez absolument que tout soit en anglais. Voilà, il suffit de faire ça. On voit contrôle et tout ça, c'est que en anglais. Il nous reste plus qu'à l'activer. Et puis, c'est parti. Donc, redstone, on l'active. Voilà, je vais laisser s'échapper. Hop. Et on s'écarte un peu. Hop, voilà, la machine est créée. Vous pouvez voir, hein, c'est un peu terraformé le terrain automatiquement. La machine est installée, comme on peut le voir. Hop, XP, storage, j'ai un accent de merde. Je sais. Et Elevator. Donc, on va commencer par Elevator. Donc c'est un no-mode comme on peut le constater. Il faut une cylindre, une cylindre de fer, voilà. Hop, on peut le tirer ou le mettre à la surface comme vous le voulez. Enfin, et il vous faut pas plus de 8 blocs de d'écart, il me semble. Bon, après on peut le mettre très bien à un écart plus réduit pour monter plus rapidement. Hop. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait notre ascenseur, il ne suffit plus que de sauter. Et voilà, on est arrivé tout en haut. Et pour redescendre, il vous faut simplement vous accroupir et appuyer sur une touche directionnelle quelconque. Et voilà. Hop. Et hop. C'est ultra rapide. Hop. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire des ascenseurs beaucoup plus badass, c'est-à-dire vraiment plus large. Voilà, alors attention, si vous mettez, voilà, par exemple, je fais juste là, je ne vais pas faire le troisième, c'est bon pour l'exemple. Si vous vous mettez là et que vous n'avez pas mis de cylindre, c'est juste au-dessus, vous risquez pas de passer à travers. Hop, pour vraiment être... je vais mettre un là, par exemple. Vous pouvez même créer un ascenseur à mot de passe, comme ça. Voilà. Par exemple, là, il n'y a que deux cases, donc c'est de là que vous pouvez accéder à l'étage supérieur et ainsi de suite. Ça peut être sympa à faire pour si vous voulez faire une map à aventure ou un truc du genre. Autre chose, vous pouvez aussi mettre bien je mets de la alerte, hein, hop, voilà, et on peut très bien passer à travers, il n'y a aucun problème. Voilà, on passe à travers, donc ça peut aussi faire un truc par contre je suis pas sûr, mais voilà, là ça fonctionne pas, faut impérativement commencer à partir du cylinder pour pouvoir monter. Et par contre, on va tout de suite essayer si ça fonctionne avec un tapis. Donc, on va le mettre au milieu. Et ça fonctionne. Donc, ça marche aussi, bien évidemment, camouflé avec de la neige ou des trucs du genre. On va essayer aussi tout de suite en direct, enfin, en diffusion pour vous, avec des dalles, peu importe lesquelles. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Donc si vous voulez camoufler vos ascenseurs, hein, voilà, c'est camouflé. Là, imaginons, vous êtes dans une maison et tout, et puis là, hop, magie, on passe à l'étage supérieur. Allez, on passe maintenant de suite à un autre petit truc. C'est pour tout simplement faire ces fioles d'XP. Donc pour ça, il vous suffit de 5 petits verres de couleur vert clair et un bloc d'émeraude.
qu'on peut faire très bien en survie, hein. Il n'y a pas de problème, à condition de trouver suffisamment d'émeraudes. Il vous suffit d'avoir 9 émeraudes pour avoir ce foutu bloc. Vous le mettez très bien, bon, on va commencer par le vert. Donc, le vert, vous le mettez comme ça, et un en dessous, c'est très impératif. Donc là, il y a 5 verts. Ensuite, vous mettez tout simplement votre émeraude au milieu, et puis là, alors, je vais me mettre en survie. Et puis là, je vais me livrer un peu d'expérience pour vous faire un petit exemple. Donc, je vais me livrer 10 levels. Voilà. Et là, dès que je vais marcher sur le bloc d'émeraude, ça me donne 20 bouteilles. Et ainsi de suite, je pouvais très bien. Donc là, je retrouve 8 levels, c'est tout à fait normal. Ça varie, il me semble que si. Alors, si je fais ça, c'est très important. Donc là, je suis à 0. 0 level, c'est normal. Là, je me give juste un seul level, ce qui est très important. Voilà, je gagne 2 fioles d'XP. Avec 2 fioles d'XP, vous voyez, je suis plus à une seule. Je suis plus vraiment à la limite du 1. Je suis au-dessus de la moitié du 1. Donc si je continue, hop. Hop. Et ce, je crois que je peux continuer jusqu'au level 6 ou 7, ça varie entre les deux. Voilà, donc là, vous voyez, je suis déjà level 5, et ainsi de suite. Donc si vous voulez vous faire des fioles d'XP et les stocker dans vos coffres, il vous suffit de faire ceci. Et pour l'ascenseur, il vous suffit de mettre un bloc de fer et une cylindre par-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que ce no mode vous aura été utile, que ça vous aura plu. Et si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type, il suffit de me le dire par commentaire, et puis liker, commenter, partager, et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir. Et ciao, bye bye.